L'année 2025 sera marquée au Cameroun par de nombreuses élections. Le journaliste reste l'un des acteurs clés de ces différents processus électoraux. C'est une période où le citoyen a besoin d'avoir l'information, a besoin d'avoir la bonne information. C'est une période où les hommes politiques ont besoin d'espace de liberté pour s'exprimer, exprimer et surtout vendre leurs offres politiques. Élément central de ces élections, la presse devrait assurer son rôle et se déployer dans les meilleures conditions et en toute sécurité. D'où la question de la protection de la liberté de la presse et la problématique de l'accès à l'information qui ont été au centre du Forum national pour la liberté de la presse organisé à Douala sous l'égide de l'ONG Un Monde à Venir. C'est pour ça que ce forum a une particularité parce qu'il se déroule en cette période si difficile où les violences préélectorales sont de plus en plus visibles à travers des menaces de tout ordre qu'on voit partout, qui apparaissent. Et donc nous craignons, nous, en tant qu'acteurs de démocratie, que si la protection des médias n'est pas effective, qu'on connaisse encore des situations difficiles pour la presse et donc des situations difficiles pour notre démocratie. Le gouvernement est ainsi interpellé sur le rôle fondamental du journaliste en période électorale. Le choix du citoyen va dépendre davantage de la capacité des journalistes de collecter la bonne information, de la mettre à la disposition du citoyen pour qu'il ne se prononce pas en fonction de la proximité tribale ou autre, mais plutôt en fonction de la qualité de l'offre politique qui a été mise à sa disposition par la presse. Une centaine de journalistes, hommes et femmes, ont pris part à ce forum national qui s'inscrivait dans le sillage de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai.